Alors, oui. Écoutez, ça me fait vraiment peur, moi, cette histoire de coupure de courant, parce que j'ai téléphoné à mon fournisseur de courant, je tombe sur la femme et je lui ai dit, c'est quand que vous couperez chez moi, que je sache avant. Elle me dit, ça dépend quelle zone habitez-vous. Je dis, je ne sais pas, moi, chez Bec, pour rentrer chez moi, c'est le 10. Elle m'a reclapé au nez. Mais alors, j'ai pris mes précautions, voyez-vous, j'ai mis des bougies un peu dans toutes les pièces chez moi. Comme ça, quand ça coupera, j'allumerai les bougies. Mais je me suis dit, quand le courant coupera, je ne saurai plus où sont mes bougies. Alors, ce que je fais chez moi maintenant, je me balade tout le temps avec une lampe de poche. Comme ça, quand ça coupera, avec la lampe de poche, je chercherai les bougies. Et il y en a là-dedans, hein. Mais alors, il y a quand même une chose, allez. Moi, je me disais, il couperait bien le courant en journée. On s'en fout d'avoir de la lumière en journée, hein, moi. Je suis basique, hein, moi. Mais alors, ils disent, oh, ben non, parce que dans les bureaux, alors, ils ne sauront plus travailler. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, hein. Mais je connais beaucoup de bureaux où il y a de la lumière, mais on ne fout quand même rien, hein. Je ne dirai pas non parce que je vais encore avoir des problèmes. Et puis j'ai mon ami du mardi, parce que s'il coupe jamais un mardi, elle dort en bas, hein, parce que quand elle monte, elle a des vertiges. Donc elle dort en dessous. Et le problème, c'est qu'elle doit se lever assez souvent parce qu'elle ne tient plus longtemps. Enfin. Elle n'a plus 20 ans, je ne sais déjà pas quel âge elle a, moi, à 5 ans près. Et alors, donc, elle doit se lever souvent, mais si elle se trompe une fois de direction, qu'elle va à droite au mieux d'aller à gauche, elle va se retrouver sur le seuil. Je vais encore avoir des problèmes. Moi, je me disais, je vais quand même leur demander une dérogation pour le mardi, s'ils savaient me laisser l'ampoule dans le hall. Tout le reste, ils peuvent couper, mais qu'ils me laissent l'ampoule dans le hall. Ça, je paye quand même mes taxes. Hein. Je sens que mon hiver va être compliqué, hein, parce que il a quand même tandis que ça quoi qu'il ne va, hein. Jean-Michel!